voici la Lamborghini Aventador SV. Je vous laisse en profiter, car comme les volcans d'Auvergne et toutes les voitures un peu trop authentiques, elle va bientôt disparaître. La faute à son moteur atmosphérique d'un autre temps, un V12 sans turbo ni compresseur, un des derniers encore produits. Nos petits-enfants ne connaîtront sans doute jamais ce son-là. Celui d'un V12 atmosphérique, à l'ancienne. C'est la mécanique dans toute sa noblesse. Pas de turbo, pas de technologie hybride. 12 cylindres alimentés au grand air. Le problème, c'est que ma supercar est super gloutonne. Pour alimenter son monstrueux moteur de 6,5 litres, ma Lambo consomme 30 litres au 100 minimum. Un choc pétrolier à elle toute seule. Résultat, comme tous les moteurs Atmo, elle est en passe d'être bannie partout en Occident. Moi, je la regrette déjà. Regardez, elle est magnifique. Là, c'est court. Là, c'est large. Là aussi, c'est très large. Là, c'est coupé comme ça. Là, c'est du carbone. Là aussi, c'est du carbone. Là, c'est du carbone. Là, il y a du carbone. Là, il y a encore du carbone. C'est des lames. Clac, clac, clac. C'est juste trop bon. Un design radical jusqu'à l'intérieur du cockpit. Du cuir, de l'alcantara, certes, mais surtout du carbone et des sièges baquets posés à même le châssis. Un contour effrayant et 100% digital. Et pour lâcher la bête, un dispositif avec clapet rouge, comme sur les armes nucléaires. Allez, je vais aller rouler tranquille. Je vais passer du mode Corsa, qui veut dire course en italien, au mode vraiment pépère, Strada, qui veut dire Philippe Lelouch en français. Mais je vois pas trop l'intérêt d'avoir prévu un autre mode de conduite que Corsa. Elle est brutale! Sur ma Lambo, tout est prévu pour accroître l'efficacité aérodynamique et me brutaliser. De la malle avant, découpe l'air, avant de l'expulser vers ses extracteurs gargantuesques. Et pour finir le travail, un énorme aileron se charge de créer une dépression océanique qui plaque la voiture au sol. Pour vous faire comprendre cet Aventador SV, imaginez le taureau Lamborghini. Vous dessus, en mode rodéo. Eh bien, c'est la même chose. La philosophie, ça a été tout dans la brutalité. Oh ! Comme le freinage. Digne d'un appontage sur porte-avions. Pour passer de 100 à 0 km/h avec ses freins en carbone céramique, comptez 30 mètres. Laissez le capot tranquille de ma voiture, merci. Les rapports de vitesse claquent. Rien n'est aseptisé. Et encore moins le moteur. Il est creux à bas régime. Et à partir de 5000 tours, on prend une vraie fessée jusqu'à 8500 tours. Wow ! Et ça, il n'y a qu'un moteur atmosphérique qui est capable de le faire. Coucou ! V'là le taureau. Voilà. Conduire un moteur atmosphérique, c'est comme la prête à la main. Bon, là, j'ai pas un V12, j'ai un modèle 4 cylindres, mais on ressent les choses. C'est là. Voilà, c'est plus fort, c'est plus doux à la fois. C'est ça. Alors que là, avec un turbo. Ah ouais. Il y a plus de lait, ça débite. Mais il est où l'amour ? Le V12 atmosphérique, c'est comme lavage de salaire. Salut les filles! C'est de la bonne bidoche, mais seuls les bons bouchers à l'ancienne en proposent. Au revoir mesdames! Au revoir! On ne compte que 600 spécimens d'Aventador SV en circulation à travers le monde. À ne pas mettre entre toutes les mains. Thank you.
fait, ce que j'aime chez Lamborghini, c'est le caractère de leur voiture. Lamborghini, ça aurait pu être une marque auvergnate. Oui, sauf qu'un auvergnat n'aurait peut-être pas eu l'idée de construire une voiture aussi chère. Prix d'achat de mon taureau de combat, 410 000 euros. Puissance, 750 chevaux. Et vitesse max, 350 km/h. Le seul petit chiffre qu'affiche cette voiture, c'est 2,8. 2,8, c'est le temps en secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Démonstration. 0. Ah, 100. 100 km/h. Voilà. Ça a été un peu vite peut-être là, non? Allez, on se la refait. 0. Une brutalité qui va sceller le sort de cette supercar. J'ai vraiment pas envie que ça disparaisse tout ça. Métallique de ton V12 atmosphérique restera à jamais éternel, comme les volcans d'Auvergne. Ciao, ma grosse. Moi, tu m'as retourné, hein. Vraiment, tu m'as ému. Oh, bouleversé. Elle parle à Ventador là et que. Elle monte la colline et que derrière elle disparaît avec son petit cri. Là. Moi aussi je suis ému, hein. Je suis ému, mais de la pleurer peut-être pas à tonne quand même. Hein. Je peux t'en parler encore un petit peu, tu vas pouvoir écouter. Ça peut te libérer. Vas-y. Hein. Ouais. Bon. En fait, ce qui est dingue avec cette voiture, c'est que contrairement à une hypercar hybride comme la McLaren P1, la 918 Spider ou la Ferrari, il n'y a pas toute cette technologie. Mais elle va aussi vite et elle coûte un tiers du prix.